I have to say, as a general remark, that I'm a bit worried when I listen to the whole panel. We're supposed to have a session on oversight here, and all I've been hearing so far is why oversight is not necessary, or in some cases even dangerous. And it strikes me that secret services are a bit like bankers, completely unable and unwilling to learn from the excesses and the wrongdoing that we have witnessed over the last years. La menace terroriste dans l'actualité nous amène à nous questionner sur les nécessaires équilibres démocratiques que nous devons trouver dans nos systèmes de contrôle, puisque nous représentons tous des démocraties qui, pour certaines, deviennent un peu frileuses, se replient et utilisent des moyens qui sont borderline. We have seen how secret services are behaving like cowboys. And then I have to say I was particularly shocked by the initial statement of Mrs. Aboltina. I mean, you don't seem to have the slightest understanding for things like civil liberties, checks and balances, democratic oversight. Secret services actually work for the people, not the other way around. And that is why we have democratic oversight. That's exactly what sets us apart from dictatorships. Vous avez à plusieurs reprises, les uns et les autres, évoqué le projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale au début de du mois de mai en France sur le renseignement qui est dans un système de procédure accélérée. Je ne commenterai pas l'usage de la procédure accélérée. Je ne sais pas si, je ne crois pas qu'il y ait de parlementaires nationaux de mon pays, la France, aujourd'hui. C'est très regrettable. How can you say that oversight is not necessary or that actually what we have is sufficient, when we know about Belgacom, about PRISM, about the CIA black sites and renditions, where so far not a single European government has been held to account. Not a single European government, whereas we all know that all the member states have been involved and informed. What about Gemalto? What about the cooperation between the Bundesnachrichtendienst and the NSA? And I can go on and on and on and on. All we know in recent years is revelations about secret services exceeding their powers. So how credible is the argument that you are putting before us that oversight is actually hampering your activities? I think it's high time that we get some proper oversight. Ce texte qui est en cours de discussion mais qui sans doute sera adopté pose de nombreux problèmes. Ils ont été pour certains évoqués, en particulier, moi je le rajoute, l'extension, enfin l'hyper-extension des pouvoirs du chef de l'État avec un système, du chef de gouvernement, pardon, avec donc un système d'absence de contrôle a priori. De nature judiciaire, mais même administrative, avec un système de captation massive, extrêmement importante des données des citoyens pour les analyser. Et cela, aux yeux de beaucoup de juristes, apparaît d'abord comme contraire à la Constitution française en ce qui concerne l'article 66 de notre Constitution française qui prévoit que c'est l'autorité judiciaire qui est gardienne des libertés, et des libertés individuelles en particulier. Or, il n'y a pas de juge judiciaire, a priori, dans ce système d'hyper-contrôle, mais semble aussi, et c'est pour ça que c'est important peut-être de le souligner, bien sûr, ici, à l'occasion de votre venue, chers collègues des parlements nationaux, mais aussi contraire aux traités européens, comme à la jurisprudence, tant de la Cour européenne des droits de l'homme, d'une part, mais aussi de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg. The problem is not oversight mechanism at national level on national intelligence services, but it's precisely the cross-border cooperation between secret services that is not subject to any form of democratic oversight. And you are supposed to protect our democracy and our freedom. I'm extremely worried.